Comme on s'en doute bien, la langue française n'a pas commencé tout de suite avec des centaines de milliers de mots. Au début, il n'y en avait que trois. Bonjour. 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 Monsieur. Madame, bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Madame. Madame. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Madame. Madame. Et au fil des jours, s'ajoutait une fois de temps en temps un nouveau mot. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame. Bonjour. Madame. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Accordéon. Madame. Monsieur. Madame. Accordéon. Bonjour. Bonjour. Madame. Bonjour. Accordéon. Bonjour. Pour faire la gestion de tous ces nouveaux mots, on a dû fonder l'Académie française. Bon, alors on commence. Ouais, je te jure, ce matin, il y avait tout un. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il tombait de l'eau, là. Des éclairs. Il y avait comme la rage dans le ciel. Il faudrait trouver un mot pour ça. De l'eau et de la rage. Ouais. Orage. Orage, voilà. Attendez, j'écris. Orage. J'y songeais ce matin. Il faudrait trouver un mot pour définir le tas d'escrocs qui gouvernent et qui ment à son peuple. Pourquoi pas le gouvernement? Ah oui. Hein, une combinaison. Alors, pas si vite, là, le gouvernement. Et comment pourrait-on appeler la femme qui a 8 enfants et dont le mari travaille à la mine? La famine? C'est ouais, parfait. Ça y est. Oui, tu notes ça. Ah, il faudrait trouver un mot court pour décrire ces gens qu'on trouve ridicules, ces gens qu'on trouve stupides, ces gens qu'on. Ouais. Ces gens qu'on. Ces gens qu'on. Hein? Voilà. Quoi? Les cons. Ah ouais, c'est bien, bien sûr. Oui. Bon, alors moi, il faut que je saute. Cette fois-ci, oublie pas de fermer la pote. Ah, j'aime pas vraiment ces deux mots. Quoi? Il faut que je saute, fermer la pote. Et alors? Je voudrais ajouter un R. Oh. Il faut que je sorte, fermer la porte. Il faut toujours que tu compliques tout. Écoute-toi, tu vas me fourter la paix, sinon je te perte la gueule. Bon, ça y est. Qu'y a-t-il? Je vais marcher dans la Mède. C'est encore le chien à Giscard. Tu sais ce fameux dessert aux fruits avec une croûte? Oui. Regarde, j'ai trouvé un mot pour ça. Fais voir. Taritol Malibart. Pas mal, hein? Oui, mais un peu long. Ah, oui? Tu vois, si tu retranchais tout le milieu, tu gardais seulement la première et la dernière syllabe. Tarte? J'aime mieux ça. Et regarde cet autre mot qui désigne les femmes qui vendent leur corps pour de l'argent. Puminori Tanita. Ouais. On applique le même procédé. Oh, fais chier. Fais ce que je te dis. Espèce d'enfigura limiciculé. Et n'oubliez pas tout le monde, à chaque fois qu'il vous arrive un nouvel événement, ça peut être l'occasion de créer un nouveau mot. Oh. Qu'y a-t-il, Léopold? Comment on pourrait appeler ça quand on urine 4 fois dans notre culotte neuve? 4 urines de neuve? Attends, pas si vite. Il y a autre chose. Depuis le début de nos rencontres, on est assis sur ces espèces de morceaux de bois et on leur a pas donné un nom encore. C'est vrai. Ainsi ai-je pensé. Comment t'as dit? Ainsi ai-je pensé. Un siège. Ah, voilà. On appelle ça un siège. Excellent, oui. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Oui, Goudaba. Vous me demandez de m'occuper des mots qui commencent par W. Effectivement. Moi, je vous dois m'occuper des R. Vous occupez des R plutôt que des W? Ça m'enouage de m'occuper des W. D'accord. Je vais m'occuper des R. Oui. Je suis radical là. Oui, je... On me touette comme une couette de chien. Du calme, on va s'arranger. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, Goudaba.